DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et détournement des deniers publics, garantie de la bonne gouvernance et du développement de la République démocratique du Congo. Les éléments de la police universitaire sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Et je vous invite de passer la troupe en revue. Le commandant d'honneur, Mwamba Bidoya.
Bonjour. Le ministre de l'Intérieur. Gestionnaire public pour combattre ces pays. Parce que longtemps, on nous a fait comprendre, on a voulu nous dire que la corruption était le fait des fonctionnaires qui demandent 10 dollars pour livrer tel document, le fait des policiers, c'est une forme de corruption, mais le vrai problème, c'est le groupe plus haut. Il faut regarder plus haut, commencer par là, pour que nous espérions petit à petit arriver à la solution. S'agissant de l'État, de Kinshasa, si on vous limite, c'est vraiment un honneur pour nous. La direction de l'inscription de la résistance est sortie de l'université. Et mes amis, est-ce que nous pouvons encore être pauvres? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement impossible. Impossible. Ça ne va pas être notre direction. Moi-même, je suis sorti ici en 1988. Mon adjoint est sorti d'ici en 1986. Numéro 3 est sorti ici de la faculté de droit en 89. Celui qui vient après est sorti d'ici. C'est tout simplement notre chance. Pratiquement notre comité de direction est tous une centaine de milliers.
Nous prenons la résolution de saisir cette balle au bon et elle nous échappera plus. Vous avez vu les membres du comité de gestion. Je dois excuser la seule dame du groupe, l'administrateur du budget, qui a des petits soucis de santé pour le moment, qui n'est pas avec nous à cette grande messe. Ah, sinon, vous avez vu l'engouement déjà de la jeunesse étudiantine dans une institution qui a vraiment le souci de la bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, celui qui tient régulièrement, de manière tout à fait absolue, la baguette de la régulation de ce système, c'est quand même bien. Parce que où il passe, on tremble. Même quand on sait qu'on n'a rien fait de mal, mais la première question que l'on se pose, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Et je fais là. Ben, notre institution voudrait bien s'ouvrir et très heureuse d'apprendre que ce sont les alumni. Là, nous prévoyons déjà le comité de gestion d'ici le mois prochain, fin août ou plus tard, tout début septembre, nous aurons une rencontre avec tous nos alumni à l'Université de Kinshasa. Ce n'est pas à vous que nous allons rappeler les grandes institutions aujourd'hui. Vous savez que l'État, vous avez déjà inspecté un peu, ne donne rien à ces institutions. Mais même si nous pouvons produire quelque chose de notre esprit, les alumni, les anciens sont là. Alors, nous...